Ramon Verdaguer has lived in New York for 30 years. He doesn't reject the galleries, but according to him, running after the approval of the galleries makes no sense. He paints and engraves. Of course, he takes advantage of the internet, but his work is also shown in other ways. His apartment is also his studio. Among his brushes, his press and tools, I discover illustrations that he has made for magazines or newspapers such as Le Monde or the New York Times. For an artist, the print media is a way to reach a public. Ramon loves his freedom, and his concept of art conflicts with American pragmatism. Par exemple, aux États-Unis, si tu as par exemple un texte qui te vient d'un magazine ou d'un journal, c'est vraiment de se tenir très près du texte. Par contre, en France, bon, par exemple avec Le Monde ou des journaux comme ça, oui, il y a beaucoup plus de flexibilité. Il n'y a pas du tout la même. On te demande pas de suivre. Si tu regardes plus ou moins les magazines ou les journaux, tu sais, c'est très décoratif, quoi. Tu vois, en général, c'est évocateur de plus ou moins de ce qu'on m'a parlé. On parle d'automobile, on parle d'immobilier, on parle de toutes sortes de bêtises. Et il faut quelque chose pour meubler. Raymond engraves different media, wood, linoleum. He enjoys engraving because he's first of all an artisan. Il y a ce côté artisanal aussi que je trouvais très important. J'ai retrouvé en Italie que l'artiste et l'artisan, c'est très 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 proche. Et actuellement, l'artiste, bon, c'est plus besoin d'être un artisan, tu vois. Il peut prendre des choses sur le net, et puis les bidouiller, les transformer avec des programmes. Et ça aussi, c'est vraiment... Mais vouloir séparer toi-même, pendant longtemps, tu as un peu laissé tomber les galeries. Est-ce que tu... Ah oui, alors le système de galeries. Mais c'est-à-dire qu'une façon assez naïve, je me suis... un peu dirigé dans cet univers un peu bizarre de ce qu'on appelle l'illustration, parce que je pensais que c'était une façon beaucoup plus honnête ou beaucoup plus directe de dialoguer avec le public. Et aussi de ne pas rentrer dans ce système de vente et de valeur. Une chose qui m'avait vraiment complètement sidéré au début quand je suis arrivé, quelqu'un m'avait dit « Combien tu vaux ?» Je me dis « Comment je vaux ?» Il m'a dit « Moi, je vaux $75 de l'heure. » Ah bon. Ah, ça m'avait vraiment surpris. Ça voulait dire que s'il devait me consacrer du temps pour quoi que ce soit, il fallait que je sois disposé à lui payer $75 de l'heure parce que c'était ça que son temps valait. Ramon is clear about the art market. For him, buying contemporary art is not only a way to invest money, but also a way to easily create money. Les marchands, je crois, depuis le surréalisme, ont trouvé un truc merveilleux parce qu'ils peuvent vendre ce qu'ils veulent. Parce qu'il s'agit de raconter une histoire, que ça c'est pour ça et à cause de ça et pas à cause de ça. Et les gens qui n'ont aucune sensibilité, aucune notion de l'art, mais qui ont le pouvoir d'acheter, vont acheter et vont investir et vont dire bon ben ça on le prend parce qu'après on va ça va être plus, c'est dans tel musée, c'est dans telle collection, et tout ça c'est toute une manipulation. Exactement, comment tu peux dire qu'ici ça coûte tant le mètre carré et qu'un peu plus haut là à demi-heure ça coûte 10 fois plus? C'est le même terrain, c'est le même endroit. C'est le même air qu'on pourrait C'est le même air, la même pollution. Un peu moins à côté de Central Park, certainement. Ouais. Mais quand même, tu vois.